Grâce à leur victoire, les Sochaliens sont plus si loin de la place européenne. L'unique but de la rencontre est signé par Edouard Butin. Le PSG concède le match nul à domicile contre Reims 0-0. Paris est 7e, Reims est toujours dernier. Lille Saint-Etienne a vu partout. Le premier but, il est signé pour Amouma à la 20e, le suivant par Ronny Lopez à la 35e. Match nul, Lille est 9e, l'AS Saint-Etienne est avant-dernier avec 11 points. Toulouse-Bordeaux, derby de la Garonne, 0-0 score final. Le TFC est 5e, les Girondins 16e. Nice-Lens 0-0 score final. Nice est 13e, le RC Lens est 17e avec 4 points de plus que le barragiste Bastia. Le FC Nantes a atomisé Lyon 6-1. Pourtant, tout était bien parti grâce à Tolisso à la 20e. Ensuite, Lyon a complètement craqué avec tout d'abord l'égalisation de Sigtorsson à la 23e, le doublé à la 26e, puis le quadruplé 29e, 32e, 4 buts 1 à la mi-temps. Ensuite, Nantes reprend sur les mêmes bases grâce à un but de Viscarando pour le 5-1 et un but d'Umtiti pour le 6-1. Le FC Nantes est actuellement 12e, l'Olympique Lyonnais 14e. Valenciennes en avant-Guingamp, le leader, a failli ne pas gagner pour la première fois, pourtant mener 1-0. À 2 minutes de la fin, Valenciennes réagit grâce à Riedel Poepon. Et c'est 20 et Anthony Le Tallec qui inscrit le but de la victoire. Valenciennes a 35 points d'avance sur le FC Metz. L'un avant-Guingamp est 11e. Le FC Lorient trouve que le match nul face à Evian, 0-0 score final. Lorient est 10e, Yvetoulon Gaillard est 15e. Monaco passe un but partout. Monaco a mené mais s'est fait voir revenir à la marque. Kurzawa pour les Monégasques. Kamano pour les Corses. Enfin, Guingamp s'est fait atomiser 5 buts 1 par le Stade Malherbe de Caen. Les Guingampiens ont mené 1-0 par Claudio Beauvu à la 20e. Et ensuite, Nangis s'inscrit un quintuplé 26e, 36e, 46e, 56e et 66e minute. Le Stade Malherbe de Caen est 3e. L'en avant de Guingamp est 11e. Si Valenciennes occupe la première place avec 35 points d'avance, le Stade Malherbe de Caen n'est que 3e du podium. Guingamp occupe la 11e place avec Reims bon dernier. Le programme de la 12e journée avec Paris qui reçoit Metz ce soir, Metz-Bastia en match de retard, Metz-Nice samedi encore, Guingamp-Toulouse et enfin le dernier match de la 13e journée, Valenciennes-Yvetot-Longaillard.